Bonjour à tous, je suis Sandrine alias SB Création et nous allons parler couture aujourd'hui. C'est un épisode un peu spécial parce qu'il s'agit d'un tag couture. J'ai en effet été taguée par Sophie de la chaîne YouTube Sew and the City. Donc si vous ne la connaissez pas, courez-y. Ses podcasts sont très chouettes et très pétillantes et j'aime beaucoup la façon dont elle aborde ses réalisations couture. Voilà. Et donc j'ai toute une série de questions, il va falloir que j'y réponde. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue sur toutes ces questions, sinon on en a pour une semaine entière. Donc voilà, en tout cas je suis ravie d'y répondre. Ça vous permettra un peu de comprendre mon parcours de couturière et puis de me connaître peut-être un peu mieux. Voilà, enfin, en tout cas j'espère que ça va vous intéresser. Alors, première question. Ah, j'ai oublié quand même de vous dire comment j'étais habillée aujourd'hui. Alors, je suis habillée ici avec le kimono Aiko de Urban Fairy, Urban Fairy alias Elsa. C'est un patron qui est sorti il y a déjà quelques temps, que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, donc je suis ravie. C'est une veste que je porte ici, une veste d'intérieur. Donc voilà, je l'ai mise pour vous, rien que pour vous. Alors, commençons avec la première question. Pourquoi, comment as-tu commencé la couture? Alors la couture, je l'ai commencée il y a 12 ans exactement. J'ai poussé la porte d'une mercerie un peu par hasard, à vrai dire. C'était une mercerie qui était dans mon quartier. Et en fait, j'y suis allée pour une raison bien précise. C'était que je voulais absolument réaliser mes robes de danse. Parce qu'en fait, je fais, pour tout vous dire, j'ai fait, mais j'en fais plus, mais j'ai fait de la compétition en danse sportive pendant 18 ans. La danse sportive, qu'est-ce que c'est? C'est la danse au salon, en compétition. Donc c'est un peu danse avec les stars, si vous voulez, mais sans les porter. On n'a pas le droit de porter quand on danse. Et puis deuxièmement, moi, nous étions spécialisés avec mon mari, donc mon cher partenaire de danse, nous étions spécialisés dans les danses dites standards. Donc il y avait cinq danses à présenter. Nous avons la valse anglaise, le tango, la valse viennoise, le slow fox et le quick step. Donc ce sont des danses qui sont... Vous voyez, on est en tenue comme ça en permanence. Et on doit avoir un maintien au niveau du haut du corps, etc. Et puis évidemment, dans les jambes, ça bouge beaucoup. Donc, et dans ces danses, quand même, ce qui est assez difficile, c'est que c'est assez sportif, parce qu'on doit présenter les cinq danses d'une minute trente les unes à la suite des autres, tout en gardant le sourire, évidemment, et en ayant l'impression, devant les juges, de donner l'impression qu'on le fait avec une facilité absolument déconcertante, alors qu'on est absolument à bout de souffle, n'est-ce pas? Enfin bref, toujours est-il que pour cette discipline qui est la danse sportive, il nous faut évidemment des tenues de danse. Les tenues de danse, pour ce qui nous concerne, ce sont des robes de danse longues, qui sont réalisées dans deux tissus différents, donc du jersey pour le haut du corps, parce que ce sont des tenues qui sont très ajustées au niveau du haut du corps. Et pour le bas, c'est très volumineux, justement pour que la robe puisse bien voleter comme ça. Et c'est dans des tissus de type voile, mousseline, etc. Donc il faut allier les deux. Donc moi, j'avais pour habitude d'acheter mes robes de danse à des spécialistes. Il n'y en a pas énormément en France, il y en a très très peu à Paris. Et il faut savoir que des robes de danse de ce style, ce sont des robes de danse qui sont faites sur mesure. Qui coûte minimum 2000 euros. Donc, autant vous dire que je n'ai pas les moyens de m'en offrir à chaque saison. Il faut savoir que les champions de France, généralement, changent de robe à chaque compétition, ce qui n'est pas mon cas, évidemment, mais on devait quand même essayer de changer de robe chaque année. Donc, 2000 euros par an, sans compter tous les frais annexes, c'est-à-dire les frais d'hébergement, de transport, les cours particuliers qu'on a pu prendre. Et puis, enfin, toutes les frais de chaussures, etc. Enfin, bref, c'est un budget assez considérable. Donc, enfin, moi, je ne pouvais pas changer de robe comme ça, de façon systématique. Donc, j'ai eu l'idée, une brillante idée, de me dire, plutôt que de donner 2000 euros à un couturier pour réaliser ma robe, je vais me former. Pour 2000 euros, je vais certainement réussir à trouver une formation pour me former et pour coudre mes robes de danse. Alors, ça n'était pas gagné d'avance, ça, je vous dis tout de suite. Quand j'ai ouvert la porte de cette mercerie et quand j'ai dit je veux créer mes robes de danse, je pensais que bah, c'était une question un peu. Enfin, voilà. En fait, j'ai vite déchanté parce qu'on m'a vite fait comprendre que la couture, c'était un métier, hein, n'est-ce pas? Que ça se faisait pas comme ça en claquant des doigts. Qu'il y avait un tas de techniques, il fallait prendre des cours et des cours et des cours, etc. Et qu'il y avait. Bon, enfin, c'était un peu complexe. Et en fait, j'ai vite, très très vite compris le chose parce que, évidemment, j'ai commencé tout de suite par faire du patronage
pour concevoir ma robe sur mesure, évidemment. Parce qu'il faut savoir que ces robes de danse, bah écoutez, les patrons ne sont pas dans le commerce, ce n'est pas commercialisé du tout. Donc évidemment, patron inexistant. Donc il faut apprendre à concevoir ses propres patrons à ses mesures. Donc j'ai commencé par ça, et puis évidemment à coudre ce genre de robe en sachant que c'est du jersey et que c'est de la mousseline et que ce sont des tissus quand même, quand on débute, c'est pas évident à gérer. Bref. Troisième difficulté, j'étais pas du tout douée en couture. Je ne comprenais pas du tout comment un vêtement pouvait être conçu, comment ça se montait. J'arrivais pas à visualiser le vêtement. Comment on pouvait passer d'un patron comme ça à plat à quelque chose en volume. Ça, je trouvais ça absolument magique, mais je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que c'était qu'une emmanchure, une encolure. Comment coudre un bouton, je ne savais pas. Enfin bref, c'était assez compliqué. Et d'autant plus que les personnes que j'ai rencontrées ne savaient pas répondre à mes questions. Parce que moi, c'était des questions très techniques, très spécifiques pour la danse sportive. Parce que la danse sportive, il faut savoir qu'il faut quand même que c'est sportif. Donc il faut que ça résiste à la transpiration. Nous avons un body en dessous. Que les coutures ne lâchent pas, évidemment. Enfin bref, c'était un monde très compliqué. Donc un, j'ai pas trouvé les professeurs pour me l'enseigner. Et deux, ceux qui auraient pu me l'enseigner ne l'ont pas voulu parce que ce sont des secrets de fabrication. Et ça, je peux effectivement le comprendre. C'est un métier, c'est un commerce. Donc, on ne transmet pas ce genre de choses à des personnes comme moi. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup appris seule, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup patronné, j'ai beaucoup fait de moulage, etc. Et puis, j'ai réussi, tant bien que mal, à réaliser mes premières robes de danse. Et si bien que au bout de 6 mois, j'avais ma robe de danse. Voilà. Alors évidemment, quand on regarde les coutures intérieures, c'est ni fait ni à faire. Mais sur le plan extérieur, écoutez, ça a été, visuellement, c'était très bien. J'avais eu d'ailleurs pas mal de bonnes critiques quand je l'ai portée. Au moment sur piste de danse, je n'ai jamais eu de coutures qui ont lâché, etc. Donc les coutures étaient relativement résistantes et heureusement, je n'ai pas eu à déplorer de jupes qui tombent bref. Donc j'étais quand même contente de moi, du résultat, donc très fière de porter mes robes de danse. Et puis financièrement, évidemment, je suis passée de 2000 euros à 300 euros. Donc 300 euros, c'était le prix qu'il fallait au niveau des tissus, tout simplement. Parce qu'au niveau du jersey, de la mousseline et des strass, et ce sont les strass qui coûtent le plus cher. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer peut-être quelques photos de mes réalisations de danse. Deuxième question, que t'apporte la couture? La couture m'apporte, comme d'habitude, je suppose, un épanouissement personnel, un grand bonheur extrême. Quand j'ai commencé la couture, Enfin, en fait, la couture m'apportait beaucoup. Je suis devenue organisée, méticuleuse, minutieuse, précise, etc. J'étais assez bordélique, je ne le suis plus. Et d'ailleurs, ça s'est vu aussi dans mon travail aussi, donc je suis devenue beaucoup plus organisée, donc ça c'est un vrai bienfait, la couture. J'ai appris à devenir patiente, à vouloir faire les choses de façon les unes après les autres, sans vouloir mâcher les étapes.
J'ai appris plein de choses et puis encore une fois, c'est une année d'épanouissement personnel absolument incroyable. Je suis absolument ravie. Ça occupe, la couture occupe chacune de mes pensées depuis 12 ans. Donc quand je ne couds pas, j'y pense. Donc c'est devenu une véritable passion. Donc un bonheur extrême et je crois que c'est le cas pour tout le monde. Voilà, troisième question. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Tout à fait, et je l'ai ici. Voilà, c'est un petit porte-épingle. Ma première, donc ce que vous pouvez voir, c'est mes surpiqûres qui ne sont pas droites du tout. Voilà, mais enfin, j'en suis quand même très fière. C'est le premier ouvrage plutôt réussi que j'ai gardé en mémoire. Ça m'a appris à coudre, enfin, faire un premier projet assez gratifiant. Quand on commence la couture, ça peut être un bon projet. Ceci dit, je ne m'en sers jamais, mais bon, voilà. Et ensuite, je me rappelle que le second projet couture, c'était une jupe. Donc une jupe longue à panneaux, qui était absolument ratée, parce que là, pour le coup, il fallait suivre un patron, et je ne savais pas comment on pouvait lire un patron. Donc ce qui fait que j'ai coupé mon patron sans les marges de couture, donc du coup ma robe était immétable. Bref, c'est parti à la poubelle. C'est après que j'ai compris comment lire un patron, qu'on m'a expliqué comment lire un patron, comment découper ses pièces, etc. Bref, donc deuxième projet raté, et puis j'en ai eu plein d'autres ratés. Voilà, mais en même temps, c'est en échouant qu'on apprend, n'est-ce pas? Il faut apprendre de ses erreurs, et voilà. Ensuite. Une séance de couture, c'est comment? Alors, une séance de couture, c'est très chouette. Chez moi, en tout cas. Ça se passe très bien. Alors, moi, comme j'ai un espace dédié à la couture que vous voyez ici, ce qui fait que je peux commencer un projet, l'arrêter et le reprendre sans aucune difficulté, puisque j'ai cet espace. Mais vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir cet espace. C'est grâce à mon mari qui, un soir, pour mon anniversaire, m'avait fait cette surprise, c'est-à-dire qu'il avait réaménagé cette pièce pour m'en faire la surprise. Et donc, il avait acheté chez IKEA un tas de meubles, etc. Et donc, j'ai une table de coupe, j'ai mes bureaux ici, j'ai mes étagères, enfin bref. Puis ici, on voit aussi des choses, voilà, qu'il m'a installées. Donc, voilà. Et donc, une séance couture, ça ressemble à quoi? Bah, écoutez, généralement, j'ai toujours en fond la télé. Que je ne regarde pas, mais c'est un fond sonore, j'allais dire. Voilà, et puis généralement, bah, je suis assez concentrée. Je navigue d'une machine à ma table de coupe qui est juste derrière la caméra. Et ça se passe très bien, voilà. Mais généralement, comme je suis organisée, j'évite que les choses traînent. Enfin, ça, c'est une séance de couture aujourd'hui. La séance de couture d'il y a 12 ans, c'est complètement autre chose, hein. Il y avait un peu de bazar partout. La seule chose que j'ai du mal à gérer, c'est la poussière, en fait, parce que la couture dégage un certain nombre de poussières, et en fait, la poussière, il y en a partout, des bouts de tissu, enfin, des bouts de tissu ou des bouts de fil, etc. Il y en a partout, ce qui fait que dès que je sors de la pièce de couture, bah, j'emmène toute ma saleté dans les autres pièces. Donc mon mari est absolument ravi, parce qu'en fait, c'est lui qui fait le ménage. Et oui, j'ai un homme à la maison qui s'occupe de toutes ces questions de ménage. C'est fabuleux, j'ai beaucoup de chance, je le sais. Donc par contre, il râle parce que avec mes chaussons, je fais circuler toutes les poussières de mon atelier couture. Bon, ça, c'est pas très chouette, mais bon, voilà quoi. Ensuite, alors un endroit dédié, ben justement, je viens d'en parler, c'est ici. Donc c'est une. Alors, il faut, je le rappelle, je vis dans 34 mètres carrés. Et dans ce 34 mètres carrés, nous avons deux pièces. Donc nous avons la pièce principale dans laquelle nous vivons, et nous avons cette petite pièce qui est dédiée à la couture. Donc ça aurait pu être notre chambre à coucher. Mais finalement, c'est un espace dédié à la couture grâce à mon mari. Genre, je suis vraiment reconnaissante. Donc voilà, comme quoi dans un petit espace, c'est possible. On peut sacrifier sa chambre à coucher pour de la couture. Et d'ailleurs, vous faire un petit tour du propriétaire.
comme je cours beaucoup, vous vous en doutez, je n'ai plus de place dans mes armoires, donc j'ai été obligée d'investir dans un portant qui est ici mobile et que je peux bouger très facilement. Donc vous voyez ici sur ce portant une partie de mes vestes, mes manteaux ici, et puis en bas donc c'est toute la partie tunique, robe, pull et autres gilets. Donc c'est la partie, j'allais dire, ma garde-robe automne-hiver. Donc par contre ici on ne voit ni les jupes ni les pantalons, c'est placé ailleurs, et donc vous vous en doutez, j'ai toute ma garde-robe estivale ailleurs rangée dans une autre armoire. Donc voilà, en tout cas c'est bien pratique, c'est important, voilà, ici je peux cacher, et en fait je peux donc le tourner, parce que derrière en fait j'ai mon petit studio photo. Alors studio photo c'est un grand mot, disons que c'est un mur blanc avec un tissu blanc qui me permet de faire mes photos de mes réalisations couture, voilà. Que pense ton entourage de la couture? Alors, mon entourage immédiat, c'est mon mari. Mon mari en est très fier. Il est ravi que je puisse avoir cette passion. Pour lui, quand j'ai commencé la couture, idem pour mes parents, tout le monde pensait que ça allait être une passade. Enfin, voilà, que j'allais m'y intéresser et passer à autre chose assez vite. En fait, cette activité est devenue une sacrée passion. Donc, ils sont très surpris de voir que je m'accroche à ce point et à quel point ça m'a transformée aussi sur le plan... de l'organisation, ma manière d'être et de faire, etc. Et donc, en tout cas, mon mari me soutient dans chacune de mes réalisations. D'ailleurs, je lui demande souvent son avis sur telle et telle réalisation, parce qu'il a un avis très, très intéressant et très pertinent. Et donc, je suis toujours très attentive à ses remarques. Et d'ailleurs, on formait un duo absolument très complémentaire quand je faisais mes robes de danse, parce que c'est lui, en fait, qui concevait mes robes de danse, et c'est moi qui les réalisais. C'est-à-dire que moi, en fait, dans la couture, je suis une bonne exécutante, mais je n'ai pas du tout l'esprit créatif. C'est-à-dire que quand je vois une robe, je vois toujours la même chose. En fait, j'ai rien de... Et d'ailleurs, ça se reflète bien dans mes vêtements de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai un style très classique, très sobre. Et j'ai aucune... On ne peut pas dire que j'ai une originalité dans mes vêtements, au niveau des couleurs, etc. Ce qui fait que mon mari, lui, en revanche, il avait 36 000 idées. Et donc j'ai exploité un petit peu ses talents créatifs pour mes robes de danse. C'est lui qui a tout dessiné au niveau de... Enfin, dessiné sur le papier. C'est lui qui a fait la partie stylisme, j'allais dire. Et c'est moi qui faisais la partie modélisme et réalisation couture. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais bon. Et donc il avait toujours de très très bonnes idées au niveau du design, du strassage, etc. Donc j'étais preneuse de toutes ses idées. Enfin, toujours est-il qu'il est très content, très... il me pousse d'ailleurs à continuer dans cette passion, c'est un vrai soutien. Pour mes parents aussi, mais un peu plus éloignés. En revanche, mes copines, mes amies se sentent pas plus concernées que ça parce qu'elles ne sont pas, elles ne cousent pas. Par contre, elles apprécient grandement que j'ai cette activité créative, justement, parce que effectivement, ça me manque aussi au quotidien. Ensuite. Ta machine à coudre au petit soin ou à la va comme je te pousse. Donc ma machine à coudre, la voici. Je vais vous la présenter. C'est une machine FAF, la Performance 5.0, que j'ai achetée il y a maintenant 3 ans. Donc je la soigne. Je la soigne sans la soigner, c'est-à-dire que depuis le début, depuis que je l'ai achetée, elle n'a jamais subi d'entretien, je ne l'ai jamais envoyée en réparation ou autre. Alors que là, au bout de 3 ans, je me rends compte qu'il le faudrait parce qu'il y a quelques petites choses qui sont en train de tomber en panne. Donc notamment au niveau des aiguilles, par exemple, je ne peux plus mettre d'aiguilles de taille 80, 70, 60, etc. Je peux mettre que des aiguilles de taille 90. Sinon elles ne tiennent pas, elles tombent. Par exemple, bon, c'est des détails comme ça, mais bon, il faudrait vraiment que là je fasse le nécessaire avant que la garantie ne me passe sous le nez. Surjeteuse recouvreuse. Alors, la voici. Alors, la surjeteuse, c'est celle que vous voyez ici. C'est une surjeteuse premier prix. Levenstein, que j'ai payé 3 sous. Je ne sais pas si c'est 300 ou 400 euros, donc il y a de ça une dizaine d'années. Je pense que parce que j'ai très vite investi en fait dans une
dans une surjeteuse pour la confection de mes robes de danse. Ça me semblait effectivement indispensable. Donc c'est ma première surjeteuse, c'est toujours la même. Et j'en suis plus que ravie parce que c'est une entrée de gamme et ma foi, le point de surjet est parfait. Le point de le rouloté est peut-être moins beau que pour les autres surjeteuses, mais il a fait le job pour toutes mes robes de danse, que ce soit sur la mousseline, le jersey, le coton, enfin tout ce que vous voulez, ça passe très bien. Et elle est jamais tombée en panne. Donc elle est vraiment très robuste, j'en suis ravie. D'ailleurs, elle est toujours en vente sur le site Matry. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit budget, que vous voulez acheter une première surjeteuse, n'hésitez pas à investir dans celle-ci. Je vous la conseille fortement, bien que ce soit un premier prix. Maintenant, je pense que celles il y a 10 ans sont celles d'aujourd'hui aussi. Je ne pense pas qu'ils aient changé le mécanisme ou autre. Bon, peut-être que ça a évolué, je ne sais pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, elles sont moins fiables qu'il y a 10 ans. Mais toujours est-il que j'en suis absolument ravie. Ensuite, là, c'est la recouvreuse que voici. Là. La recouvreuse. C'est la Janome Cover Pro 2000 CPX que j'ai depuis un an ou deux, je sais plus. Donc là j'en suis absolument ravie, j'ai pas eu de soucis, j'ai acheté dans une boutique physique à Paris, c'est la société Exact dans le 15e ou 17e, je sais plus, métro Courcelles en tout cas, où ils ont été de très bons conseils, ils m'ont montré l'utilisation de la machine. Et je tenais absolument à acheter cette recouvreuse en boutique parce que j'avais envie, en cas de problème, de pouvoir en parler physiquement à quelqu'un. Parce que quand on achète par correspondance, ce qui est le cas pour ma surjeteuse et ma machine à coudre, quand il y a un problème, etc., il faut la renvoyer. Et là, franchement, bon, c'est toute une procédure. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je mets un peu de temps pour réparer ma machine à coudre FAF. Parce que il faut l'envoyer, il faut bien l'emballer. J'ai toujours peur qu'elle s'abîme durant le trajet, etc. Bref, donc je ne le fais pas. Donc j'avais envie, voilà. En cas de problème, je sais que je peux ramener ma machine à Paris, la faire réparer dans la foulée. J'ai vu qu'ils étaient très à l'écoute, très de bons conseils, etc. Donc voilà, et j'en suis ravie en tout cas, j'ai pas eu de soucis avec cette machine, elle fonctionne très bien. Marque de patron préféré, donc je ne vais pas tous les citer, mais j'aime beaucoup Sacotin. Non pas parce que je suis testeuse pour Sacotin, mais en toute objectivité, j'aime beaucoup les patrons de Sacotin et j'aime beaucoup les explications de Sacotin qui sont d'une limpidité extrême. Et je trouve que coudre un patron Sacotin, c'est hyper gratifiant parce qu'on est vraiment tenu par la main de A à Z. Donc, et le résultat est en général absolument superbe. Donc j'en suis absolument ravie de Sacotin. Et sinon, j'aime beaucoup évidemment Dirindo, Polynalis. Et là, en ce moment, je suis dans ma période, depuis déjà un certain temps, la période de l'Ecala, où ce sont des patrons de couture sur mesure à moindre coût. Voilà. Ensuite, où te fournis-tu, boutique physique ou internet? Alors moi c'est presque exclusivement boutique physique, c'est-à-dire que je vais donc du côté du marché Saint-Pierre, je vais chez Eurotissu, je vais à Mode et Travaux, quartier Saint-Nazaire, et je vais où? Et puis tout récemment je vais aussi donc acheter des coupons Atelier Brunette aussi sur Paris, quand ils sont en solde, sinon j'y vais pas. Mais d'une manière générale, moi de toute façon je n'achète pas de tissus à des prix excessifs, et de toute façon moi j'ai besoin de voir et de toucher le tissu avant d'acheter, donc voilà. Ton stock de tissu minimaliste ou indécent, bah justement nous en parlions. Alors je crois que je vais être une des rares couturières à vous dire que c'est minimaliste, c'est-à-dire que j'ai peu de stock de tissu. En général j'achète et je couds, j'achète puis je couds. Voilà, et en même temps tant mieux, parce que en même temps j'ai pas les moyens en fait d'acheter plus de tissus que ça. J'ai l'impression que le budget consacré au tissu est déjà suffisamment important, donc j'évite de stocker de façon irraisonnée mes tissus. Mais je vous montre tout de suite ce que j'ai en magasin. Donc voilà, tout tient là dedans et voici ce que j'ai.
Donc, j'ai quelques tissus papa piqué maman cou. Ici, c'est du jersey, un peu de doublure. Ici, ce sont des cotonnades. Ici, ce sont mes tissus aussi coton, où on repère. Ce sont les tissus du marché Saint-Pierre. Ici, vous avez un tissu Atelier Brunet. Voilà. Et puis ici, un peu de tout. Et ici, mes tissus pour mes sacs. Voilà. Si on descend un petit peu plus bas, donc voici ma télé indispensable. Et puis ici, donc, j'ai toutes mes chutes de tissus qui tiennent ici, donc dans deux petits trucs. Et donc, vous voyez, j'ai pas grand-chose. Ici, ce sont mes chutes de 6 mm cuir. Et puis sinon, des chutes, voilà. Il n'y a pas grand-chose. J'ai également un petit panier là. Et ça, ce sont les tissus qui sont dédiés au patchwork. Donc voilà, j'ai tous mes tissus voilà, que je vais réaliser là, que je vais couper. Mais voilà, c'est spécial patchwork et c'est tout ce que j'ai. Et les livres et patrons, donc là c'est pareil, j'en ai pas énormément. Vous voyez ici donc mes livres. Donc voilà. Et sinon au-dessus, ce sont. Je vais me rapprocher peut-être pour vous montrer. Alors ici donc ce sont mes livres et ici ce sont mes cours que j'ai suivis, patronage et autres cours de couture. Et puis quand on remonte un petit peu plus haut, donc ici j'ai tous mes magazines Burda. Et ensuite ce sont donc mes patrons couture que moi j'ai rangés ensuite dans des pochettes plastifiées. Voilà, tout simplement. Et donc c'est rangé par catégorie. Donc vous avez les hauts d'un côté, la partie robe, la partie bas, donc pantalon et jupe, et ensuite les parties veste. Comment choisis-tu tes tissus et tes patrons? Alors généralement, quand je vais acheter du tissu, j'ai une idée assez précise de ce que je veux coudre, mais c'est vrai que je ne dis pas non. Quand je vois un tissu qui me plaît beaucoup, je me dis on sait jamais, je le prends. Mais j'achète généralement de façon assez raisonnée pour éviter justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des stocks. Mais en même temps, quand je vois un tissu qui me plaît, ce serait dommage de résister et de passer à côté. Pour les patrons, j'évite aussi. Enfin, j'achète des patrons quand j'ai un coup de cœur, évidemment. Mais c'est pareil, j'essaye avant d'acheter un patron, j'essaye de voir si je ne l'ai pas déjà, enfin une version plus ou moins ressemblante dans un de mes magazines Burda avant d'acheter le patron. Voilà, mais je ne dis pas non, encore une fois, au patron coup de cœur, ce qui m'arrive quand même assez facilement. Voilà. Que fais-tu des chutes? Alors les chutes, vous en avez vu, j'en ai pas beaucoup. J'essaye d'une manière générale quand je couds un projet et qu'il me reste des chutes, j'essaye tout de suite d'utiliser ces chutes dans un autre projet, pour éviter justement à avoir emmagasiné ce genre de choses. Quand elles sont trop petites, alors là, très sincèrement, moi, je ne les garde pas, je les jette. Sauf si c'est des tissus de style cotonnade, etc., qui peuvent me permettre de faire des toiles, bon, je peux les garder, mais quand elles sont vraiment en petite dimension, généralement, je ne m'encombre pas de ça et je m'en débarrasse assez vite. Si ce sont des tissus, parce que maintenant je fais un peu de patchwork, donc je me dis on sait jamais, etc. Donc parfois je peux garder des chutes de coton noir par exemple, ça je garde. Quand ce sont des tissus colorés aussi, mais comme je ne me coupe pas beaucoup de tissus colorés, j'ai pas l'occasion de garder ça pour le patchwork. Enfin, toujours est-il que mes chutes, je m'en débarrasse assez facilement, donc soit en les recousant de suite, en les intégrant dans un projet, soit je m'en débarrasse. Voilà, une diète d'achat ou no buy est-elle envisageable? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Une diète d'achat, ça veut dire faire du shopping. Est-ce que ça veut dire que serais-je en mesure de ne pas acheter de vêtements du commerce et de me les coudre moi-même pendant un certain temps? Oui, je pourrais, mais je ne le fais pas parce que je n'aime pas m'interdire des choses. Parce que j'ai remarqué que quand je m'interdis quelque chose, alors ça devient une obsession. C'est un peu comme la nourriture. Si je m'interdis de manger des bonbons, du chocolat, des gâteaux, etc., je vais y penser tout le temps. Ça va devenir une obsession. Et donc, du coup, voilà, je préfère me dire, je m'interdis pas, je m'autorise tout. Voilà, c'est ma façon, de penser en tout cas. Donc, ce qui fait que je fais du shopping. Je me suis rendu compte, en analysant un petit peu les choses, que en fait j'achetais beaucoup moins de vêtements du commerce. Je continue évidemment d'acheter des choses de style chaussures, chaussettes, sous-vêtements,
des pulls parce que je ne tricote pas, mais sinon c'est vrai que j'achète beaucoup moins de choses du commerce. C'est vrai. Maintenant, de là à dire non, je n'achèterai plus jamais, ça je pense que je ne le dirai pas parce que ça deviendrait une contrainte et ça deviendrait une obsession pour moi. Je me connais. Donc je ne préfère pas m'interdire ce genre de choses. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question, si c'était cette question. Bonne ou mauvaise élève, en repassage, en batik, en couture à la main. Donc je crois pouvoir dire aujourd'hui, au bout de 12 ans de couture, que je suis une bonne élève en repassage. En batik, pas du tout parce que je ne batis pas. Enfin, disons, aujourd'hui, je ne batis plus. Mais ceci dit, je recommande aux débutants de bâtir parce qu'évidemment, ça permettra d'avoir une réalisation beaucoup plus aboutie si on bâtit. Ceci dit, il m'arrive quand même d'utiliser un ruban double face pour maintenir deux tissus ensemble. Par exemple, quand je couds un zip à une ouverture, une fente passepoilée, j'aime bien effectivement fixer mon zip avec ce ruban double face. Ça me permet effectivement ça permet à la fermeture éclair de rester bien en place et ensuite au niveau de la surpiqûre de faire quelque chose de propre. Donc c'est vrai que je peux l'utiliser par exemple pour la confection de sacs, etc. Mais c'est un bâti, j'allais dire, facilité par ce ruban double face que je vous montre tout de suite. Donc le voici, ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment une petite épaisseur, hein. Ça doit faire 5 mm. Et donc ça se présente comme ça. Et donc ça se colle, on retire le petit ruban et hop, on vient fixer par-dessus ce qu'on souhaite fixer par-dessus. Et le tour est joué. Donc ça s'achète pour pas très cher. Ça doit être 3-4 euros chez Fil 2000. Et je trouve effectivement bien pratique pour des coutures d'assemblage ça demande beaucoup plus de précision, etc. Donc voilà ma question du bâti. Et ensuite en couture à la main, bah, écoutez, je fais des progrès. De plus en plus maintenant, je finis les choses à la main. Je peux faire des ourlets invisibles à la main. Je fais des. Qu'est-ce que je peux faire à la main? Je peux faire tout ce qui est glaçage aussi au niveau des vestes intérieures, au niveau des parementures, de la doublure, etc. Donc ça, oui, effectivement. Mais bon, je pense que j'aurai encore besoin de m'améliorer en la matière. Parce qu'encore une fois, on n'a jamais fini d'apprendre, c'est fabuleux. Ensuite, as-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? Alors oui, c'est tout ce qui a trait au costume historique. Je n'ai jamais cousu de costume historique. Donc là encore, je pense que c'est un univers, tout un monde que je ne connais pas. Parce qu'il y a encore une fois, il y a un tas de techniques spécifiques, je pense, à la construction, à la conception d'un costume historique et puis à la réalisation d'un costume historique. J'y ai goûté un tout petit peu quand j'ai fait un stage relatif au corset. Je me suis rendu compte que là aussi, ce sont vraiment des techniques vraiment spécifiques. Et je suppose que c'est un peu la même chose pour le costume historique. Donc je ne sais pas du tout comment en faire. Et peut-être qu'un jour, je ferai un stage. Enfin, moi, j'aurais bien envie de coudre une tenue début du siècle, par exemple, avec une robe longue. Et puis, alors, je ne connais pas les termes techniques là aussi, mais. Enfin voilà, en tout cas ça me plairait bien, c'est ce que je n'ai encore jamais cousu. Je n'ai pas cousu encore de chaussettes par exemple. Je ne sais pas faire, mais pourquoi pas. Voilà. Ensuite, as-tu déjà patronné? Alors oui, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. J'ai suivi plusieurs cours, des cours particuliers, des cours dans des centres de formation, etc. Et c'est vraiment un métier, là je m'en suis rendu compte. C'est un sacré. Enfin, c'est. Pour moi, ça me semble difficile. C'est très difficile. Enfin, quand j'ai abordé en tout cas la question du patronage, donc tout de suite quand j'ai commencé à coudre, pour moi, je ne comprenais rien à rien. Et c'était très complexe parce qu'il y a une bonne dose de mathématiques, une bonne dose de géométrie, de conception comme ça du volume. Et pour moi, ça a été assez compliqué. D'aborder ce sujet-là. Alors aujourd'hui, ça y est, je commence un peu mieux à comprendre le principe de la coupe à plat, mais ça reste quand même, je trouve, ça reste quand même encore à travailler. Donc voilà, j'ai fait du modélisme donc en coupe à plat, mais aussi en moulage.
C'est ce qu'on appelle le toilisme, c'est-à-dire c'est de mouler sur le mannequin à partir de toile. Donc j'ai appris beaucoup et en fait ça, le fait de faire ça, ça a aiguisé beaucoup mon regard parce que j'ai enfin pu comprendre comment un vêtement pouvait bien tomber ou ne pas bien tomber. Donc c'était, j'ai appris beaucoup de choses en fait et j'en suis absolument ravie. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Donc je vais en désigner deux. Ma dernière robe de danse, la robe rouge. Parce qu'il faut bien en désigner une, mais d'une manière générale, je suis assez fière des robes de danse que j'ai pu coudre. Et puis également ma robe de mariée, parce que je me suis cousue ma robe de mariée, c'était en 2011, donc il y a 7 ans maintenant. Et donc il y a 7 ans, je n'avais pas les connaissances d'aujourd'hui, donc évidemment, avec le recul, je vois un petit peu tous les défauts de la robe. Mais c'est pas grave, puisque le jour J, j'étais absolument contente de la porter, très fière, etc. Et puis elle a joué tout à fait son rôle durant toute la cérémonie, puisqu'évidemment, au cours de la cérémonie, nous n'avons pas pu échapper à la danse, à la traditionnelle danse. Donc nous avons dansé plusieurs danses, et à un moment donné, donc j'ai retiré ma jupe longue par une jupe un peu plus courte, style patineuse, pour faire le fameux numéro Dirty Dancing, qui est un peu assez incontournable dans tous les mariages. Donc voilà. Donc je vous montre peut-être tout de suite ce que ça donne là, mes deux photos et la robe de danse et la robe de mariée. Au plus complet, bah, je crois que sont toutes mes réalisations de quand j'ai commencé. Voilà, mais je crois que j'ai jeté tout à la poubelle tellement j'étais exaspérée par le résultat parce que je n'y arrivais pas. Mais je n'y arrivais pas parce qu'évidemment je ne suivais pas les règles pour coudre des vêtements. Donc je ne peux pas vous montrer mon pire ratage parce qu'il n'existe plus. Mais c'est vrai que pendant mes premières années d'apprentissage, c'est un peu incontournable d'avoir un tas de ratés ou de boulets, comme c'est écrit. Voilà, mais bon. Mais encore une fois, c'est grâce à ces ratages que finalement on progresse et qu'on apprend de ses erreurs. Quelle est la pièce que tu couds le plus? Alors, indéniablement, ce que je couds le plus, ce sont des hauts, des tuniques, des t-shirts, enfin tout ce qui est haut. Donc, et en général, là je suis dans une période de tunique. J'aime beaucoup porter des tuniques voilà, qui arrivent mi-cuisse. Et donc ce sont des tuniques qui me permettent que je peux porter avec des pantalons notamment. Donc ça c'est la couture du moment. Voilà. Et donc ce genre de pièces par exemple, ça c'est le genre de pièces que j'aime beaucoup. Couds-tu pour toi ou pour les autres? Alors je crois qu'à 99%, je couds pour moi. Je n'aime pas coudre pour les autres. Parce que ça me met dans un état de stress absolu. Je suis déjà d'une manière générale, je suis assez perfectionniste et exigeante, mais quand il s'agit de coudre pour les autres, ça prend une ampleur incroyable. Donc j'évite parce que ça me stresse énormément. Et premièrement, ça me stresse énormément. Et deux, les personnes ne se rendent pas compte du travail effectué parce que je passe des heures et des heures à soigner mes finitions. Même si, en plus, d'une manière générale, j'ai tendance à être plutôt efficace en couture aujourd'hui, donc je couds assez rapidement et facilement, mais ça ne m'empêche pas quand je veux soigner mes finitions, à passer un certain temps, parce que j'ai appris à devenir patiente et minutieuse, donc voilà. Et les gens ne se rendent pas forcément compte du travail que ça représente. Donc j'ose dire non, je dis non, et il fut un temps où je ne savais pas dire non, mais maintenant je dis non. Voilà, sauf pour évidemment mon mari qui me demande là où j'ai fait un sweat très ré récemment, mais sinon ça m'arrive assez rarement. Et de toute façon, il faut jamais commencer à dire oui parce que sinon c'est le début de la fin. Un jour on m'a dit, tiens, Sandrine, tu voudrais pas me faire un ourlet? Bah, je dis, écoute, un ourlet de pantalon, la chose qu'on apprécie, nous les couturières, absolument. Et en fait, j'ai dû faire 8 ourlets de pantalon à la suite alors qu'au début il s'agit qu'un seul ourlet, donc maintenant c'est terminé. Et quand c'est comme ça, d'ailleurs, je me rends compte que les ourlets, alors là, j'ai tendance à les bâcler parce que ça m'insupporte de faire des ourlets, j'ai horreur de ça. Bref, je dis non, je préfère mille fois réaliser des coutures pour moi, même si ça peut paraître assez égoïste, mais tant pis, j'assume, je préfère
dire non, sinon ça me met dans un état de nervosité, c'est pas la peine. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper les idées? Alors c'est peut-être là où j'ai mal répondu tout à l'heure à la question du une diète d'achat ou no buy est-elle envisageable? J'ai peut-être confondu les deux. Parce que fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper les idées? J'ai déjà répondu tout à l'heure. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi regarder, entrer dans un magasin pour regarder les finitions proposées, donc que ce soit dans une veste, un t-shirt ou autre. C'est très intéressant, très instructif. Moi je vous conseille. En tout cas, moi j'y vais surtout pour regarder les finitions. Maintenant, pour attraper les idées, peut-être pas, quoique. Voilà. En tout cas, c'est vrai que moi, ce que je regarde beaucoup, ce sont les vêtements portés par les personnes quand je prends le métro le matin ou le soir. Là, je regarde aussi de plus près les découpes et autres. Enfin bon, je trouve que c'est toujours très intéressant de regarder ça. Et donc, ce que pour répondre à la question de tout à l'heure, une diète d'achat est-elle envisageable? Donc, c'est là où j'ai mal répondu tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est une diète d'achat en matière de patron et de tissu, je suppose. Eh bien non, je ne pourrais pas parce que si je n'achète plus, ben, je ne peux plus coudre, donc il me faut la matière première, hein, sinon ce n'est pas possible. Voilà. Du coup, pour tous les jours et ou pour les grandes occasions, donc je pense que vous l'avez compris à travers toutes les réponses que j'ai données depuis le début de ce tag couture, c'est pour les deux. Je secoue aussi bien donc mes vêtements de tous les jours et je couds également pour les grandes occasions, que ce soit pour des événements comme des réveillons, donc pour la compétition de la danse, parce que nous on continue toujours à danser en loisir, donc c'est toujours l'occasion de porter des tenues qui sortent un peu plus de l'ordinaire, j'allais dire. Et puis quand il y a des cérémonies ou autres, c'est l'occasion aussi de coudre autre chose que des vêtements du quotidien. Un gadget dont tu ne te passerais plus. Alors je vais aller le chercher. Donc j'ai regardé, en fait, j'ai pas de gadget, un gadget dont je ne me passerai plus. J'en ai plusieurs et ils sont. Enfin, il n'y a aucune originalité dans ce que je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai mon découvite incontournable, j'ai mon coupe-fil de chez Fil 2000. J'en ai en 3 exemplaires, même en 4 exemplaires, donc un peu partout pour ne pas avoir à les chercher. J'ai évidemment mes outils de marquage, donc ici la craie. Ici la craie, comment on appelle ça? Voilà. Sous cette forme-là, mais également sous cette forme-là. Donc là, c'est un tracé ultra fin. Et c'est parfait pour les précisions. Et sinon, évidemment, j'ai le stylo pilote friction. Voilà. J'ai évidemment ceci, mon aimant à aiguilles, ce qui me permet de récupérer toutes les aiguilles tombées au sol pendant ma séance couture. Et puis j'ai cette bombe de Fabulon indispensable pour couper et coudre des tissus fuyants de type viscose, soie, mousseline, voile, etc. Voilà. Alors pour finir, une anecdote couturesque ou plusieurs. Bah écoutez, je vais vous en raconter deux dans deux registres complètement différents. Donc la première, c'est la honte absolue, mais avec le recul, c'est assez amusant et ça donne l'occasion de vous en parler aujourd'hui. C'est il y a de très nombreuses années, donc quand je commençais la couture, peut-être j'avais peut-être 2 ans de couture. J'ai participé à la couture, à la réalisation de costumes pour le théâtre, donc j'étais l'assistante de la costumière. On m'avait demandé en fait de prendre les mesures de tous les comédiens, donc c'était la première fois que je prenais des mesures, et ce n'est pas aisé, en tout cas, ça c'est sûr. ce qui était assez drôle, c'est que j'ai commencé par un homme, je crois, ouais. Je commence à mesurer de haut en bas. Donc je commence par le tour de tête, le tour de cou, la carrure, etc. Et je suis face à ce monsieur. À un moment donné, je descends, je descends, je descends, j'arrive à la taille et j'arrive au niveau des fesses, évidemment, mais de l'autre côté, face, côté face. Et j'avais le maître ruban carrément devant ce que vous imaginez, n'est-ce pas? Alors évidemment, la personne était en pantalon, hein, il n'y a pas de souci, mais du coup, j'étais très très embarrassée. Et puis comme je suis quelqu'un qui rougit très facilement, alors j'étais écarlate, je ne savais plus où me mettre, la honte absolue, alors que j'aurais pu effectivement mesurer en étant sur le côté, en prenant la personne de profil, plutôt que d'être face à la personne. Bon, bref, c'est. Voilà, c'est quelque chose que je ne referai pas de cette manière-là, évidemment. Et puis j'ai une autre anecdote, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai passé mon CAP de couture floue, donc maintenant ça s'appelle différemment, mais à l'époque c'était CAP de couture floue, c'était il y a 7 ans.
Quand j'ai passé ce CAP, j'y suis allée en candidat libre. Donc tout s'est bien passé pour moi, j'ai eu mon CAP, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vrai que c'était, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, etc. On ne sait pas trop quel est le profil des autres candidats et autres, etc. Donc arrive le jour des épreuves pratiques. Nous devions réaliser ce jour-là donc une robe boule, fermée par un zip et avec des finitions au biais au niveau de l'encolure des emmanchures. Ce qui en soi n'est pas la fin du monde, mais sauf que le tissu qu'on devait utiliser, c'était un tissu crêpe qui était très fuyant et qui ne se repassait pas. C'est-à-dire que le pli ne marquait pas au fer. Enfin bref, donc c'était quand même assez technique, même si en soi la robe en elle-même n'était pas difficile à coudre. Toujours est-il que donc moi évidemment je fais ce que j'ai à faire et puis on se regarde les unes les autres au niveau des candidats. Il y en avait une. Parce que l'épreuve pratique durait 3 jours ou 2 jours, je sais plus. Cette personne-là avait décidé qu'elle ferait tout la moitié du temps. C'est-à-dire qu'elle ne resterait qu'une journée pour cette épreuve-là, au lieu des 2 ou 3 jours qui étaient prévus. Et ce qui fait que cette personne-là a fait tout à moitié. C'est-à-dire qu'à la moitié, elle a cousu une manche à moitié, c'est-à-dire qu'elle a cousu un côté, pas l'autre, elle a cousu un bout du biais ici, mais pas au niveau des emmanchures, au niveau du zip, elle l'a monté d'un côté, mais pas de l'autre côté, enfin bon, des trucs, mais complètement dingue. La robe, elle l'a mise sur un cintre à la fin de la journée, une robe qui était pleine de trous partout, parce qu'évidemment, elle avait fait qu'un à côté, mais pas de l'autre, c'est-à-dire qu'il y avait enfin, je sais pas moi, la couture de la taille, elle avait faite à moitié, donc ça veut dire que ça baillait de l'autre côté, enfin, c'était un truc absolument. Immonde, quoi, je peux pas dire autre chose, et je me suis dit, mais c'est possible de rendre un travail avec une telle négligence dans la couture. J'ai été complètement enfin, abasourdie de voir ça, et en même temps, je me suis dit, bon, c'est vrai que il suffit d'avoir la moyenne au CAP, hein, il suffit d'avoir 10 sur 20, c'est-à-dire de rater la moitié des choses pour être admis finalement. Hein. Quand je suis allée voir les résultats, je suis quand même allée voir si cette personne avait eu son CAP ou non, pour me rassurer aussi. Finalement, elle ne l'a pas eu, ce CAP. Ma foi, c'était un sacré soulagement. Mais en même temps, toujours est-il que les autres candidats, donc il y avait plusieurs niveaux, etc. Je crois que c'était la seule qui n'avait pas été admise, mais tous les autres l'ont été. Alors qu'il y en avait, par exemple, il y avait un candidat qui avait passé donc ce CAP, alors qu'il n'avait jamais touché une machine à coudre. Et cette personne l'a eu. Son CAP, donc je sais pas, à mon avis juste la moyenne, mais il l'a eu. C'est pour vous dire que le message qu'il faut comprendre de tout cela, c'est celles qui se sont inscrites donc au CAP couture de cette année, là en 2018, passez les épreuves par pitié parce que c'est indispensable. Il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Vous êtes inscrite, donc lancez-vous et allez-y, n'ayez pas peur. Tout se passera très bien parce que vu ce que j'ai vu des autres candidats. Vous avez forcément le niveau, j'en suis, mais alors persuadée. Et encore une fois, il suffit d'avoir 10 sur 20 pour avoir le CAP. Donc voilà, c'était mes deux anecdotes couturesques. Et voilà. Alors maintenant, il s'agit de taguer 3 personnes. Alors je vais en taguer 3, mais celles qui souhaitent répondre à ces questions, sans y être invitées, bah, écoutez, moi je vous invite en tout cas, je vous incite à y répondre. J'aurai beaucoup de plaisir à écouter vos réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez envie. Et puis sinon, donc les 3 personnes que je vais taguer, donc il s'agit tout d'abord de Sophie alias Kiloulette qui vient de se lancer dans cette aventure des podcasts. Donc j'espère Sophie que tu auras envie de répondre à ce tag couture. Ensuite, je vais taguer Alice du Lapin Alice parce que j'ai l'impression que personne ne l'a taguée, ce qui d'ailleurs m'étonne beaucoup. En tout cas, il ne me semble pas avoir vu de tag couture sur sa chaîne YouTube, mais peut-être me suis-je trompée, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Alice, l'invitation est lancée. Et puis, la dernière personne, il s'agit de Marion, alias Mademoiselle Blush. Que je suis depuis peu en fait. Elle s'est elle-même lancée dans la couture il y a peu, je pense qu'il y a à peu près un an ou un an et demi. Et j'ai beaucoup de plaisir en fait à l'écouter j'ai beaucoup de plaisir aussi à voir ses premiers pas en couture et de voir, enfin, je suis hyper admirative de ce qu'elle arrive à faire en si peu de temps. Comme quoi, quand on est déterminé, tout est possible. Donc, c'est formidable. Donc, voilà, je vous laisse ici et je vous souhaite donc bonne couture à toutes et à tous. À bientôt!